Alors, un sujet incontournable pour notre distingué panel d'analystes. Encore aujourd'hui, la visite du premier ministre français à Ottawa d'abord et à Québec vient tout juste d'arriver. On attend son discours au Salon Bleu. Avec nous aujourd'hui, Mario, Emmanuel et Gaétan Barrette. Bonsoir, vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Gabriel Attal s'est fait questionner assez vite sur la question nationale au Québec. On écoute un extrait. Vous avez repris une phrase, je crois que c'était Perfit, qui avait dit « non-ingérence, non-indifférence », qui, moi, je trouve que cette phrase est, en dit long, et je m'y retrouve assez bien. Ouais. Alors, il ne déroge pas de la posture du nini, là, celle de tous les présidents français depuis Giscard d'Estaing, à l'exception de Sarkozy, Mario. Oui. L'exception de Sarkozy, puis bon, on savait que M. Sarkozy, tu sais, la première place où il était venu au Canada, c'était à sa gare, là, tu sais, dans la résidence de la famille Desmarais, quelqu'un qui était très proche de la famille Desmarais, assez proche de M. Charest aussi, et qui s'était fait convaincre de sortir de la politique habituelle, d'exprimer au Québec une préférence pour le lien canadien, donc de se mêler du débat, finalement, qui nous concerne. Mm-hmm. Sinon, tous les autres, puis ils n'ont pas intérêt à se mettre les pieds là-dedans. Et sincèrement, aujourd'hui, c'est un peu quand même un débat des années 80-90. T'sais, les débats d'aujourd'hui, moi, j'ai plus hâte d'entendre Gabriel Attal sur les débats des années 2000 qu'on a ces années-ci. La laïcité, lui, est un gros partisan de la laïcité. Il n'en a pas parlé avec Justin Trudeau parce que je pense pas que c'est un terrain d'entente tellement. Mais là, est-ce qu'à l'Assemblée nationale, avec un gouvernement qui a intervenu sur la laïcité, qui va se retrouver devant la Cour suprême du pays avec la loi sur la laïcité contestée, l'identité, la langue française, ça, c'est des thèmes où j'ai hâte de voir. Est-ce qu'il va y aller? Il pourrait rester prudent, parce qu'à Ottawa, il a été hyper prudent. Ça a fait une visite un peu terne. Ça a été correct, poli, mais un petit peu plate, là. Ouais. Poli et plate, Emmanuel, oui. Ouais, moi, j'ai été surpris qu'on pose la question sur la non-ingérence, non-indifférence. Puis d'ailleurs, même M. Attal a été surpris quand on lui a posé la question. Il a dit, bien, écoutez, là, je suis à Ottawa aujourd'hui, là, c'est pas ça qu'on parle, c'est le sujet de demain. Ça tendait à se questionner à Québec. Ouais, moi, je pense que ça aurait été pas mal plus rigolo de poser une question à M. Attal sur la laïcité à côté de Justin Trudeau et lui demander s'il trouvait vraiment que la laïcité était une attaque fondamentale sur les droits de la personne. Surtout une journée comme aujourd'hui où on apprend que les commissions scolaires anglophones vont à la Cour suprême. Ouais. Mais bon, c'est sûr que d'abord, moi, je pense que M. Legault peut aller chercher un appui moral important dans ce débat-là. Et je suis certaine qu'on va entendre le premier ministre Attal sur la laïcité et la langue française lors du point de presse de demain et possiblement lors de son discours dans les prochaines minutes. Ouais. Mis à part la question nationale, bon, la langue, on en parle, la laïcité, bon, la culture, il y a les échanges commerciaux aussi qui sont au cœur des préoccupations du gouvernement Legault, Gaétan. Oui, absolument. Puis c'est très intéressant, cette visite-là, parce que Gabriel Attal, actuellement, est un candidat, est un premier ministre très en vue en France. Ouais. C'est un jeune premier là, qui a beaucoup l'estime de la population, qui a déjà pris des décisions qui ont suscité une certaine controverse, mais qui ont aussi amené l'appui de la population française. Et c'est son premier tour de piste à l'étranger. Et on dit de lui, on le voit déjà comme un futur candidat à la prochaine présidentielle. Alors, pour lui, ce premier tour de piste-là est important. Et avant de faire son discours, il a quand même choisi ses mots. Hein. Il a dit qu'il s'adresserait aux Québécois en territoire québécois. Avec le nini, là, déjà, il met la table pour un discours intéressant. Et je suis convaincu qu'il va s'adresser à la laïcité, mais en filigrane, là, derrière, c'est clair que tant pour François Legault que pour Gabriel Attal, il va y avoir un enjeu économique qui ne sera peut-être pas primordial au premier plan de son discours, mais certainement que dans les rencontres subséquentes au Québec, ça va être là. Bien, alors on a hâte d'entendre son discours au Salon Bleu. Bonne nouvelle en santé, tout un changement dans l'accès à la première ligne, les super infirmières qui pourront prendre des patients en charge sans la supervision des médecins, et ça commence lundi prochain. On écoute le ministre Dubé. Mais je pense aussi au Dr Barrett, qui est celui vraiment qui a initié il y a plusieurs années ce principe-là, entre autres la formation dans les universités du Québec. Et aujourd'hui, si on est très, très près de notre cible, Dr Barrett, dans son ordre, a dit qu'il visait à avoir 2000 infirmières spécialisées en 23-24, bien, on se rapproche beaucoup de cette cible-là aujourd'hui. Bon, bien, Gaétan, à tout seigneur, tout honneur, M. Dubé qui reconnaît les bonnes idées qui les développent. Bien, écoute, j'ai trouvé ça très élégant de sa part d'y faire référence et je l'en remercie parce que
Les gens ne savent pas beaucoup que le débat de la formation et du déploiement des IPS ça a commencé au Québec en 1996. On est 28 ans plus tard. Et le ministre de la Santé, Christian Dubé, fait le premier pas de la dernière phase qui est celle du déploiement complet de l'autonomie des IPS. Ce déploiement-là complet, il va passer par l'autonomie totale des infirmières qui sont en majorité dans les GMF. Alors, attendons-nous à de la négociation difficile avec la FMOQ, mais je pense que le ministre de la Santé actuellement est bien en selle. Ouais. Il a la bonne position et je lui suggère même de ne pas déroger de sa position. Ouais. Mais il y a une chose qui est certaine, après 28 ans, on arrive enfin à destination. Je suis heureux d'y avoir participé. Ouais. C'est lui qui va faire le dernier bout. Ouais. Et comme toujours, hein, le dernier bout est souvent le plus important. Là. C'est le dernier mille, c'est le dernier mètre. Et c'est crucial. Et là, je pense qu'il est bien parti. Emmanuel. Mais en même temps, la FMOQ n'a pas tellement un gros bout de bâton. Là. Ça fait 2 ans là, qu'on les entend dire qu'ils ont besoin de renforts, qu'on manque de ressources, qu'ils manquent de médecins, etc. Le gouvernement arrive avec une solution qui est cohérente, qui est appuyé sur la science. Je veux dire, il y a une époque où les femmes allaient voir leur gynécologue pour un pap test. Là, cette époque-là est passée. Ben, c'est pour aller voir un médecin de famille pour chaque petit bobo qu'on a dans la vie de tous les jours. Les infirmières spécialisées sont habilitées à le faire. Elles sont compétentes pour le faire. À un moment donné, si les médecins veulent des renforts, on leur en offre. Ils vont falloir qu'ils fassent leur bout de chemin pour que tout ça fonctionne. Oui, ça va faire une différence importante, Mario, là, à court terme. Bien, à court terme, évidemment, il n'y a pas tant que ça là, d'IPS disponible. Mais oui, ça va faire une différence. Moi, autant je suis 100% pour ça, autant je vais dire qu'il y a une information à donner quand même au public. Les gens ne savent pas nécessairement. Par exemple, une infirmière, là, une IPS, peut directement prescrire une visite chez un médecin spécialiste, chez un orthopédiste. Mais ça, il faut en informer le public pour que les gens voient pleinement le potentiel de cette nouveauté. Si les gens ne savent pas, ils se posent des questions. Ouais, si j'ai une infirmière, est-ce que je vais avoir moins... une infirmière qui suit mon dossier, est-ce que c'est moins qu'un médecin? Il faut expliquer à ces super infirmières quels sont leurs pouvoirs et responsabilités. Ouais. Alors, moi, je vais le dire, je vais le résumer en une phrase, là, Sophie. Une phrase de 10 secondes, Gaétan? Oui. En 10 secondes, les infirmières praticiennes spécialisées peuvent faire tout diagnostic, sauf ceux de santé mentale. Ils sont de compétences médicales dans tout ce qui n'est pas santé mentale, et ça inclut les investigations. C'est de la vraie prise en charge. Voilà. C'est la bonne chose à faire. Ajouteur qui respecte son temps. Bravo. Un rappel à plus de 2,3 millions.